Traversée du Lanfonnet. Départ au-dessus du hameau de Poney. Traversée par le bas par le sentier GR. Montée par le col des Nantais. Passage derrière le Lanfonnet. Montée au col des Frettes, au pied des Dents de l'Enfant. Et redescente directe sur le hameau de Poney. Proximité du col des Nantais. En bas, on aperçoit le lac d'Annecy. Au-dessus, c'est le Lanfonnet. Je vais essayer de voir si on peut voir les parapentes. Voilà. Le col des Nantais, les rochers des Varros, avec plein de parapentes aussi. Et par là-bas en direction des chalets de l'eau. Les chalets de l'eau. La tournette, très enneigée. Tiens, parapente. Bon, la montée doit être encore délicate, on attendra le printemps. Le fauteuil, encore en parapente. Le col des Nantais, la montée vers Roquelancrona, et là le petit passage très sympathique qui passe en dessous de Roquelancrona. Ensuite derrière on débouche sur le col de l'Ancrona ou de l'Oprian. Le Lanfonnet tout au fond. La combe de l'Oprian est encore bien enneigée. Et la face nord du Lanfonnet, c'est moyen aussi. Donc pour aujourd'hui, je ne monterai pas là-haut, surtout que c'est bourré de lapia. Donc j'ai pas envie de mettre le pied dans n'importe quoi. Le menhir du col. Je sais, c'est pas un menhir, mais on a le droit de rêver.
les chalets de l'Oprion. La dent du Cruet. C'est pas mal la dent du Cruet, c'est joli à faire. Aujourd'hui, je vais me contenter de Roquencrona. Je vais déjà dire Roquencrona. Ouais, je crois. Hein. C'est bien sympa le Roquencrona. En plein soleil, dans les pins accrochés. C'est très joli. Une grosse poule tétra a déboulé juste devant moi. Elle a décollé d'un pin accroché. Je quitte la combe de l'Oprion pour rejoindre le col des Frettes pour après redescendre vers le lac. Petite vue sur les dents de l'Enfant. Pas mal d'ici. C'est raide le col des Frettes. Et c'est froid. C'est beau le Parmelan. La traversée du col des Frettes nous amène droit au pied des dents de l'Enfant. C'est vertigineux. Avec en prime une vue magnifique sur le lac d'Annecy. La descente vers Poney est très directe. Je crois que dans une demi-heure, je suis en bas là.